Et coucou, c'est les successeurs! On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va très bien. Ouais. On a des nouveaux fanarts à vous proposer. Et aujourd'hui, nous allons faire donc les fanarts. Pour l'instant, comme d'habitude, c'est la surprise. Voilà. On a Steampunk Robot dessiné par Jack Parker. Nous allons découvrir avec vous. C'est parti. Allons-y. Alors, le premier, il s'agit de. Oh, Donald! Donald, alors qu'en penses-tu? Ah bah il est version robot hein. Ah t'as vu, il a comme un code robot. Donc c'est plus robot, ouais, parce que steampunk c'est pas vraiment... Ça lui donne un air méchant je trouve. Donc c'est DD13 Jerkbot. Si tu passes par là, MB14. ouais, moi je trouve que ça lui donne un air méchant. Ouais. On dirait qu'il a perdu un bras, tu sais, qu'il revient de la guerre, je sais pas. Bah, en fait c'est ça, c'est... S'ils avaient pas laissé... Si le dessinateur avait pas laissé apparent les bras robotiques, des trucs robotiques comme ça, ça aurait pas fait marrant. Enfin, marrant. Ça aurait pas ce style un peu... Ouais, ouais, c'est ouais. Peut-être pour ça que c'est marqué steampunk, peut-être que ça fait un peu robotique apparent. Guerrier, ouais. N'oubliez pas toujours de nous dire votre préféré en commentaire, n'est-ce pas? Oh, elle est pas mal. Ah, ça change trop. J'aime bien le côté que en fait ses ailes soient à part, donc il s'agit de clochettes. Ah, ça change trop. Attendez, je vais enlever ça parce que je regarde, j'ai l'habitude de regarder. Moi aussi. Voilà. Donc, son nom, c'est Tinkerbot. Tinkerbot. Bot. De Tinkerbell, donc ça sympa. Ah ouais, non mais c'est... J'adore. C'est sympa. Ça ferait un beau tatouage, ouais. J'en ai bien. Ben voilà, c'est ça, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des faits clochettes parfaites. Ouais. Tu vois, tu sais. Et là, justement, version tatou, ça pourrait être pas mal. Ben là, ça fait steampunk. C'est pour ça que ça... Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, parce qu'en fait, elle aurait pas besoin des ailes pour voler, mais c'est là que pour faire beau. Ouais. J'aime bien. Je la trouve vachement non, sympa. Ouais, elle est vachement classe. Hein. Bravo, j'adore. Mm. Oh Mickey va combattre le monde. C'est ça, ça fait trop combattant. J'aime bien, ouais, quand il y a des éléments comme ses oreilles en l'occurrence qui flottent. Des... Ouais, c'est voilà. Pas mal. Ah, j'aime bien aussi. Ah, j'adore, ouais, les détails. Ouais, c'est vachement bien pensé. La queue beaucoup plus épaisse que d'habitude, du coup, parce que pour qu'elle soit articulée. Ouais, c'est robotisé. Non, j'aime beaucoup. Ensuite. Et on le voit pas souvent, hein. Ouais, ouais, ouais. Bob Razowski. Du coup, là, son nom. C'est marrant comme truc. Ouais. MKZOV543 Fuel Retriever Drone. Non, mais je trouve que c'est un. Ouais, pour le c'est coup, une très c'est bonne un idée. Fan de... art très intéressant, ça. Je ouais, trouve. Ouais, ouais, sérieusement. Donc là, du coup, ça serait un drone de combat. De combat, ouais, c'est ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hein. Du coup, ça, tu pourrais faire un film, hein, comme ça, de robots, sérieusement, là-dessus. Bah, carrément. Oh, oh ça fait mal. Bizarre. Oh, ça fait trop bizarre. Qu'il sort d'un aspirateur. C'est après Ghost Aspirateur. Donc, c'est ça. Le génie. Et il sort d'un aspirateur. J'aime bien, il a ses cheveux qui flottent. Ses bras aussi. Ses bras aussi, ouais. Ah, c'est sympa comme c'est idée. C'est pas mal, ouais. C'est pas un personnage qu'on voit souvent dans les fanarts. En même temps, faut dire, ce qu'on voit le plus, c'est les princesses, en général. Ah bah oui. Là, pour l'instant, on n'a pas vu de princesse. C'est cool. J'aime bien. C'est pas mal, ouais. Bon, ça doit pas être pratique. C'est vraiment très original comme fanart. Donc dites-nous en commentaire si vous voyez ça comme robot ou steampunk. Donc c'est un mélange des deux. Hein. Gen 13 Service Droid with Lampfire Voltage Pack. Ah, ça se trouve, c'est un jet. Voyons c'est voir. Excellent. Non, franchement, c'est super bien. Ah, une princesse. Ben voilà. Oh, Polochon. Pourquoi il prend cher à chaque fois? Oh, même Ariel, elle fait un peu cadavérique. Ouais, c'est vrai, elle est très très mince. C'est une pauvre âme en perdition. Oh, mal. Pour le coup, c'est Polochon qui fait le plus robot. Oh, elle, on dirait, t'as raison, on dirait pas un cadavre non plus, mais elle, on voit moins de trucs qui fait robot ouais, chez voilà. Elle comparé aux autres. Mais Polochon, non. Non, on dirait une torpille en fait. Mais voilà, ouais. Mais c'est très joli, hein. AR-137. Ah oui. Seed Droid. Donc au lieu de. Ouais. With drone. Polochon. Fourni avec le drone. Pas mal. Non, c'est sympa. Ouais. J'aime bien comment les faits de... ses cheveux sont articulés. Oui, justement, c'est ça qui est bien, je trouve. Le fait d'avoir fait le côté cheveux articulés. Après, il y a des pointes sur la queue qui n'étaient pas forcément obligatoires, mais c'est pour le côté ouais, droïde, alors. C'est ça. Ensuite. Oh. Ah, c'est sympa parce que le coup, pour le coup, Belle n'est pas un droïde. En direct. Belle, c'est une ingénieure. Bah voilà, c'est ça. Ah, j'adore. Elle est sur son chien et. Elle cherche là. Ah, voilà pour cherche votre... Gaston, cherche Gaston. Tu l'es. La belle et la machine.
Et puis c'est drôle parce qu'ils ont gardé le miroir, tu sais, pour qu'elle regarde. Ah, j'avais même pas. Moi, enfin, moi je pense que c'est le miroir. Moi, j'ai vu le côté loupe, mais à mon avis, t'as raison. C'est forcément un clin d'œil au miroir. Je pense, hein. Ouais. J'aime bien. C'est vraiment un gros chien. C'est oh, oh, il est trop mignon. Expérience 6 de, Stitch. 6 de 6, Stitchbot. Excellent. Il est beau. Ah, il est vachement mignon. Je le veux en jouer. Ouais. Notez-le. Ah ouais, je le verrais trop en jouer. Ouais. Il est trop sympa. Ah, Ohana. Il est trop beau. Ah, bah, c'est déjà la fin. D'accord, je vais dire, bah non. Non, mais super original. Alors, toi, quel a été ton préféré? Bah écoute, j'ai beaucoup aimé Clochette. Déjà, ça change beaucoup. Ouais. Vraiment, c'est super cool. Sérieusement, celui-là, alors, il est beau. Les avoir... Elle parle de Bob Razowski. Et sérieusement, en tableau, tous, il y a beaucoup de fanart qui pourraient être des tableaux, mais ça, ça pourrait vraiment être typiquement... Ouais, ce concept-là, il est super intéressant. Donc, et non, la fée Clochette et Bob Razowski pour moi. Ouais, moi, je dirais la fée Clochette et... la fée Clochette et Stitch. Il est beau, Stitch. Donc voilà, dites-nous en commentaire quel est votre préféré. En tout cas pour nous, Stitch, la fée Clochette. Et toi, voilà. Tu... Bob, j'aime bien Bob, moi. Et voilà, on se retrouve bientôt, salut.